Bonjour à tous et à toutes, c'est ce bon vieux Kéké. Et bienvenue pour une nouvelle série de let's play qui sera public, qui sera on va baisser la musique. Allez hop, 70. Qui sera publié en parallèle avec Megaman X2, je pense. J'ai dit on baisse la musique. Merci. Du coup, on va jouer non pas en ultra-violence, non pas en fais-moi mal Johnny Johnny, mais bien en cauchemar. Ultra-cauchemar. Si on meurt, on recommence tout, donc autant vous dire que c'est pour les plus acharnés. Donc cauchemar, c'est assez compliqué, ça va être compliqué. Hein. Surtout que je ne suis pas un expert en FPS, parce qu'il s'agit bien de Doom, mais de Doom 2016, qui a été une grosse claque. Pour moi. Je sais que j'avais fait Doom 3 il y a pas longtemps. Donc Doom 3, c'est qui est sorti en 2005. Qui était, je pense, très beau pour l'époque, mais qui voulait survival horror. Et qui était très scripté. Voire même trop scripté. Et c'est ce qui m'a dérangé. Par contre, quand je suis enchaîné avec Doom 2016, je me suis dit, ah ouais. Ah ouais, c'est pas mal. Ils sont enragés, brutaux, impitoyables, sans merci. Mais vous serez bien pire. L'éradication, c'est ça votre credo. C'est agressé par des zombies. Bon, ça va. Je n'aurais pas été trop rassuré à sa place. L'homme à la scoliose. Ouais, donc je disais, ce Doom 2016 aura été une sacrée claque pour ma part. Jeu très bien rythmé, au sens que quand on a commencé à avoir l'impression d'en faire le tour. Il va falloir reprendre le. Ah bah oui. Eh bien, le jeu s'arrête. Il nous tease un peu sur ce que sera. Être ou ne pas être, telle est la question. Le jeu d'outils en fait sur ce que sera Doom Eternal. Alors vous me direz dans les commentaires au niveau du son votre ressenti. Hein. J'ai toujours un micro pourri et de toute façon. Et ça, ça ne changera pas. Tout simplement parce que je fais une mini chaîne YouTube, donc je vois pourquoi j'achèterais un truc à 100 balles. Pour faire des bêtises. Impossible de déterminer la cause de l'invasion démoniaque tant que le satellite des opérations sur ressources n'est pas réactivé. Bienvenue. Je suis le docteur Samuel Hayden. Je dirige cette station. Nous devrions pouvoir trouver un terrain d'entente pour résoudre ce problème ensemble. Merci. Donc, petit tutoriel là en fait. Donc le pistolet ne consomme pas de balles. On l'utilisera très peu parce que heureusement qu'on a notre fusil à pompe, donc quand on fait ce qu'ils appellent les glory kills, c'est
c'est-à-dire les attaques au corps à corps avec une animation particulière. On récupérera de la vie. Récupération plus ou moins importante, laisse-moi parler. Regardez, on passe de 20 à 50. Plus notre vie est basse, plus on en récupérera. Baril explosif. On utilise l'environnement. Ça ouvre des portails vers l'enfer, alors on doit les détruire. De toute façon, faut toujours tout détruire. Et toujours rester en mouvement. Moi je suis pas en foudre de guerre en FPS. Bonjour toi, au revoir toi. Mais bon, je pense que pour l'instant je vais m'en sortir. Je peux me faire one-shotter hein. Là quand il monte sur la colonne. Voilà, ça peut one-shotter. Typiquement. J'étais mort 5 fois la première fois ici, hein. Quand j'avais essayé d'enregistrer le let's play. Phase tutoriel terminée, on va... On ne peut pas lui laisser quitter cet endroit. Il pourrait tout compromettre. Et c'est ce que nous allons faire. J'assume l'entière responsabilité des atrocités de ces dernières 24 heures. Comprenez toutefois que l'intérêt que nous portions à leur monde n'avait pour seul objectif que l'amélioration de l'humanité. Il apparaît qu'aujourd'hui... La musique, elle déchire quand même. En effet, mais le risque en valait la peine, croyez-moi. Voici le premier stage à proprement parler. Au lieu de regarder la cabine d'ascenseur, on ferait mieux de regarder le paysage quand même. Hein. Si vous jouez en ultra cauchemar, c'est ici que vous recommencerez. Premier collectible. Je vais vous le lire. Hein. Non, je vais seulement vous lire les. L'environnement. Malgré la découverte d'eau liquide sur Mars au début du 21e siècle, la colonisation de la planète n'a eu que peu d'attrait jusqu'à son exploration, le siècle d'après. Avec la découverte de la fracture prononcée Argent, un flot transdimensionnel de plasma Argent brut en 2095, est-ce qu'il y avait encore la sécu à cette époque? Je crois pas. La construction de colonies de mines sur Mars devint aussi pratique qu'essentielle pour répondre aux besoins en énergie de la Terre. Toutefois, la nécessité de convertir l'atmosphère et de terraformer la planète rouge sembla une tâche insurmontable pour toutes les corporations, à l'exception d'une seule, l'UAC. Donc UAC, qui est la corpo qu'on retrouve dans les Doom classiques, enfin le Doom classique de 93, hein. Grâce à son application et son dévouement au progrès technologique, un avant-poste fut établi en 2096 TMC et commença à extraire du plasma argent de la fracture. Lorsque le plasma fut soumis au schéma de transfert fermionique de l'UAC, je ne sais pas ce que ça veut dire, l'énergie argent fut alors produite. Cette formidable aventure finit par porter ses fruits et l'énergie argent devint la source d'énergie principale sur Terre. Les nouveaux visiteurs du complexe de l'UAC peuvent prendre pour acquise l'existence de cette riche atmosphère à la surface. Mais il est important de rappeler que quelques décennies auparavant, Mars est un désert inhospitalier où la vie ne pouvait se développer. L'exploration non autorisée de zones d'exclusion en dehors de la base est permise sous certaines conditions uniquement. Les artefacts hautement volatiles sont des sujets de recherche évacués à une licence de sécurité raisonnable de la base et votre sécurité sur site ne peut être garantie. Ça va être long, hein. Donc première arène véritable.
Quand c'est vert, c'est de l'armure. Qui absorbera. Nouvel ennemi. Des soldats corrompus. La clé. C'est le mouvement. Traître. Regardez ma vie qui est déjà bien fondue. Oh punaise. Le bar il a roulé dans ma direction et je me suis fait troller. Misère de misère. Je voulais faire un atterrissage en douceur, c'est raté. Bon allez, cette fois on va pas les rater. J'ai failli mourir, je me casse. J'aurais bien aimé qu'il y ait un petit baril explosif en proximité. C'est ces tirs-là qui sont mortels. Y'a de la vie. Ça va être dur, hein. Alors, on chope ça. Le baril sous le coude. J'ai envie de dire pourquoi pas. Attention qu'il est rechargé. Purée. Première arène, je suis déjà mort 2 fois. C'est un stage assez court parce qu'il n'y a que 3 arènes. c'est pas tout à fait vrai, il y en a plus, mais.
pas d'où ça venait, ça. C'était pas joli. Reste tous quand je commençais à les chercher. Puisqu'on est en dents où nous avons besoin de clés d'accès. Qui se trouve ici. Son gardien sera coopératif. Il sera coopératif parce que simplement il est mort. Avec son petit pentagramme. Premier secret. Premier secret dit amélioration d'armes potentielles. Ici nous avons des grenades. La déflagration l'attendrait. J'ai pas été malin. Thank you.
utiliser un module pour notre arme. Donc on a d'abord le Massford, la rafale à compression, qui est un triple tir, plutôt efficace contre les gros ennemis, j'ai l'impression, je dirais. Moi je sais que je préfère le tir explosif. On va utiliser un point d'arme. Charge instantanée. Supprime le temps de rechargement d'un tir explosif. Ah, je peux pas. Si vous allez voir que hop, vous voyez le temps que le réticule se met en mode lance grenade. Il y a plus de seconde ennemie qui passe. Qui se passe. On va la supprimer cette seconde ennemie. Sa veste et le mur se dérobe avec une armure derrière et puis de la vie. Si vous appuyez sur les interrupteurs d'un autre ordre, vous n'aurez pas le secret là-bas. Ce guide vous servira à comprendre les rouages de la station Argent sur Mars. Votre dévotion à la mission de l'UAC est la base de notre réussite car avec vous, nous établirons un nouveau paradigme et conduirons l'humanité vers l'avenir. Le défenseur de classe 1 peut prendre un certain temps à s'acclimater à la vie sur Mars. Toutefois, à force de foi et de dévouement, vous pouvez vous attendre à une carrière longue et gratifiante vers l'induction totale. Votre passage à la classe 2 dépendra de vos actions ici. Faites bonne impression, mon nouveau défenseur. Ce guide sera mis à jour automatiquement à chaque fois que vous découvrirez de nouvelles zones de la station.
D'autres conseils sur le mode de vie à l'UAC vous seront bientôt prodigués. Comme on dit ici sur Mars, l'énergie du peuple est précieuse, camarade. On prend la charge instantanée aussi. On va donc arriver à une seconde arène. Hein. Parce que je me suis pris petit coup comme dans Doom Eternal et je me suis baissé. C'est là. L'armure. Donc ce coup d'étranglement, je l'aime pas du tout. Hein. Pardon, je me dis que je n'ai pas du tout parce qu'on se fait éclater. Il y a quelque chose qui m'intéressait, donc je vais le récupérer tout de suite. Allez, c'est la dernière étape avant la fin. Je pense que dans la... il y aura du coup des ça sert à rien. Voilà, c'est ça.
dernier secret. Parce que il s'agit de la dernière arène. On récupère les missions sur la route, la vie et l'armure. Et on fait tout péter. C'est un scandale ce qui se passe là. Allez, je vais passer directement à l'essai gagnant. Thank you.
faire des gros booms, hein. Il y a de la vie, il y a de la vie, il y a de la vie. Allez, on va finir le niveau. Bienvenue dans l'UACR. Nous comptons à présent 221 jours sans incident. Bravo. Bon. J'espère que ce début de let's play vous plaira, vous plaît, et que la suite vous plaira. N'hésitez pas à me faire part de vos suggestions dans les commentaires. Et d'ici là, portez-vous bien et bon jeu à tous. Merci, au revoir. Et ouais, on a bien tous les secrets, hein.